Salut, ceci est un message que la banque suisse UBS aurait pu adresser à ses clients chéris. Mes chers amis, clients, restez s'il vous plaît, restez, partez pas, ne nous quittez pas, ne vous en allez pas, ne fuyez pas, ne vous taillez pas, nous nous excusons, nous vous demandons pardon, miséricorde, pitié, quittez la Suisse, mais laissez-nous votre fric. Touchez pas au Grisby. La news du jour, c'est l'impuissance d'UBS à stopper l'hémorragie des capitaux. En même temps, elle a donné le nom de certains de ses clients au fisc américain. Du coup, de nombreux investisseurs ont décidé de fermer leurs comptes et de partir avec le magot avant qu'il ne soit trop tard. La trahison a un prix. Juste pour le dernier trimestre, UBS a vu fuir 26,6 milliards de francs suisses en gestion de fortune et 10 milliards en gestion d'actifs. Tout ça pour avoir collaboré avec le fisc, investisseur du grand monde. Mais vous n'avez donc pas de cœur ? Souvenez-vous de ces parties de golf, de ces week-ends en château et autres exquises soirées avec vos fidèles banquiers. En même temps, c'est qu'une banque. Et tant d'autres sont fidèles à notre fric.